Nous allons parler de l'apparence des mains. Je vais vous présenter cette recette fabuleuse pour redonner une très belle apparence à vos mains. Ceux qui ont déjà un certain âge, qui souhaitent travailler l'apparence de leurs mains pour les empêcher de vieillir, même débarrasser les taches jaunâtres et parfois des taches grisâtres, je vais vous donner un truc idéal à appliquer pour les faire paraître 10 ans plus jeunes. Je vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'au bout pour ne rater aucun détail. Mais avant d'aller plus loin, si vous vous inquiétez pour votre santé et que vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils au quotidien. Et n'hésitez pas à commenter, à mettre un like. Si vous faites déjà partie de cette belle communauté, alors faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous mettrai un cœur. Avoir des mains qui paraissent 10 ans plus jeunes. Avant toute chose, portez le moins possible de bagues et de bijoux sur vos mains. Et pareil pour le pourtour de vos poignets, car ceci empêche le sang de circuler correctement et d'irriguer les mains. La manucure n'a aucune influence sur l'apparence de vos mains, donc n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, ça enjolive les mains. Maintenant, passons aux ingrédients dont vous avez besoin. Vous aurez besoin d'un petit peu de sucre brun, si vous n'en avez pas. Le blanc peut aussi faire l'affaire. Nous allons ensuite avoir besoin d'un petit peu d'huile. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive ou même de l'huile de tournesol ou de l'huile d'arachide. Ça dépend de là où vous êtes et de ce que vous avez comme huile, comme vous voulez. Nous allons avoir besoin d'un masque capillaire. Peu importe la marque, peu importe la gamme. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une crème Nivea. Cette crème a énormément de vertus. J'en ai parlé dans énormément de vidéos. Ensuite, vous aurez besoin d'une paire de gants, de préférence d'une paire de gants en coton. Donc, prenez un bol avec un tout petit peu d'eau et une serviette. Maintenant, nous allons commencer. Prenez un tout petit peu d'huile, passez cette huile sur vos mains et faites des massages. Massez bien et laissez l'huile pénétrer profondément. Cette opération peut prendre entre 5 et 10 minutes. Une fois que c'est bon, prenez votre sucre brun, frottez de la même façon sur les mains, de façon à faire pénétrer la substance, comme si vous faisiez exfolier vos mains. Faites ça très en douceur sur la zone à travailler. C'est maintenant que nous allons ajouter un petit peu de masque capillaire. Une fois que c'est bon, rajoutez un tout petit peu de masque capillaire ou même de la crème Nivea pour ceux qui n'en ont pas, l'équivalent d'une petite cuillère à café. Appliquez le tout sur vos mains et continuez de masser tout en profondeur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître le pays depuis lequel vous me suivez. Vous savez combien cela me fait plaisir de savoir de là où vous m'accompagnez, vous me soutenez. N'hésitez pas à me marquer cela dans les commentaires. Pensez aussi à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram. Ça évitera à beaucoup de personnes de dépenser des sommes folle en produits cosmétiques qui parfois donnent des résultats médiocres. Donc, une fois que vous avez appliqué cette concoction sur vos mains, faites des massages très doux. Prenez le temps de bien faire cette étape, c'est la plus importante d'ailleurs. Faites-le lentement mais en profondeur. Pensez aussi à couvrir les poignets et laver cela à l'eau froide avec un petit peu de gel ou même du savon neutre. Essuyez et séchez-vous les mains. La deuxième étape est tout aussi importante. Prenez votre crème Nivea avec laquelle on va donner la touche finale à nos mains. Appliquez cela abondamment sur les mains. C'est une merveille. Je dirais que cela rajeunit entre 10 et 20 ans vos mains. Mais pour que cela fonctionne, faites-le entre une et deux fois par semaine. Ceci donnera une apparence blanchâtre sur la peau, comme vous le voyez là. Et de ce fait, ça va étirer et redonner une très belle apparence à votre peau. Si l'état de vos mains sont catastrophiques, une fois que vous avez effectué votre gommage, bien lavez les mains et appliquez de nouveau votre crème Nivea avant d'aller dormir. Je vous inviterai ici à porter vos gants pour bien laisser le produit pénétrer durant la nuit. Je sais que ce n'est pas facile, mais faites l'effort de dormir jusqu'au matin avec cela. Le lendemain, vous redécouvrirez vos mains sur un nouveau jour. Vous serez très surpris, je vous assure, ils paraîtront vraiment beaucoup plus jeunes. Vos mains auront rajeuni de 10 ou 20 ans, simplement parce qu'en conservant les gants pour la nuit, cela produit une chaleur. Cette chaleur fera transpirer les mains en permettant de régénérer toutes les cellules de vos mains. Si vous ne pouvez pas le faire toute la nuit, faites-le au moins une heure à chaque utilisation. Ce sera déjà très très bien. C'est certain, ça ne donnera pas les mêmes résultats, mais au moins ce sera déjà ça. Donc c'est incroyable l'effet que ceci a sur vos mains. Dès le lendemain, vous aurez déjà des mains de princesse, vous aurez des merveilleuses mains. Eh bien, si vous me voyez insister sur cette recette, c'est simplement parce que c'est une recette infaillible. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé cette vidéo. Avez-vous d'autres conseils pour améliorer l'apparence des mains qui fonctionnent très bien? Si oui, n'hésitez pas à proposer cela dans les commentaires. Vous savez
que lire vos avis et astuces sont très importantes pour moi. Et bien sûr, pour ceux et celles qui ne préfèrent pas commenter, alors laissez-moi un tout petit emoji ou même un cœur dans les commentaires pour que je sache que vous avez vu la vidéo complète. Rappelez-vous de partager ces informations, de vous abonner sur cette chaîne, car nous publions chaque jour de nouveaux contenus. Bisous, bisous!